Voilà, bonsoir à nos téléspectateurs, tous qui sont aujourd'hui sur Guinée Matin TV. Nous avons rencontré le self-service d'urgence de l'hôpital préfectoral de Mandiana sur la situation d'un accident mortel qui a eu lieu ce matin au quartier Mandiana 1. Docteur Sano, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui a coûté la vie à un jeune de 18 ans? Je vous remercie de m'avoir donné la parole. C'était dans les environs de 7h30 que nous avons reçu un adolescent âgé d'au moins 18 ans, dans les environs de 7h30. Donc quand on l'a reçu, il était en perte de connaissance avec une détresse respiratoire. Donc on a essayé de le réanimer durant plusieurs heures, mais malheureusement on n'a pas pu le récupérer. Il est venu avec une tuméfaction pariétale associée à une détresse respiratoire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Merci, docteur. Ah ouais.